بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فسهل يا الهي كل صعب بحرمة سيد الابرار سهل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد كل ذرة الف 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 مضى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما واهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهما الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, le très clément, celui qui nous a permis de venir dans sa maison bénie, la masjid, celui qui nous a accordé la richesse par excellence, la kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié d'énormes bienfaits. Iman, ensuite la santé, la sécurité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé d'innombrables vertus à propos concernant les actions. Et parmi les actions qui nous permettent d'obtenir jusqu'à même le doua, l'invocation des anges. Les doua des malaïka, nous savons tous que les doua des anges constituent pour nous, les croyants, un moyen facile, précieux et très profitable pour nous le jour où on aura besoin de leur invocation. Et ce jour-là, c'est ici maintenant. Dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné que lorsqu'une personne entre dès le moment où une personne pénètre dans la masjid, avec le pied droit, bismillah wa salatu wa salam ala sayyid al-mursalin, Allahumma aftah li abwab rahmatik. Au moment où une personne pénètre la masjid, l'ange, les anges commencent à faire droit. Allahumma fil lahu, wa Allah pardonne-le. Allahumma rahamhu, wa Allah fais-lui miséricorde. Allahumma tub alayhi, wa Allah accepte son repentir. Allama Yusuf bin Nouri rahimahullah, l'éminent savant et élève illustre de Allama Anwar Kashmir rahimahullah, lorsqu'il entrait dans la masjid, il ne parlait avec personne. Personne. Dès qu'il franchissait la masjid, amin, 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 amin. Lorsqu'il quittait la masjid, les élèves lui ont demandé, pourquoi tu dis amin? Il dit, les anges sont en train de faire doa pour nous. Pour moi, c'est pour ça que je dis amin. Donc c'est important lorsqu'on entre dans la masjid, dès au moment où une personne parle des paroles, dit des paroles futiles, des paroles inutiles, qui n'a rien à voir avec le din, l'ange, les anges arrêtent. Les anges arrêtent. C'est un lieu de miséricorde. Oui, assalamu alaikum, mon frère, comment vas-tu? Va bien. Point, fini. On prend son Coran, on s'assoit, on fait durud, on fait le zikr, ou bien quelques minutes avant Iqamat, on est en train de parler avec Allah, on lui demande,
Wallah, les doigts sont acceptés entre Adhan et Iqamat. Les doigts sont acceptés. Subhanallah, ce sont des moments très précieux. Dans la tombe, il n'y aura plus cette occasion. Donc, lorsqu'on entre, quelqu'un vient nous parler, excuse-moi, c'est l'heure de faire droit. Excuse-moi, je veux bénir. Non, faut pas perdre son temps. Wallah, ceux qui ne sont partis, ils sont plus là. Ils sont plus là, ils bénéficient plus de l'invocation des anges, c'est fini. Et parfois, même si on parle des choses de dîn, on parle tellement fort que ça dérange. Mais ça, on est dans une masjid. On n'est pas à la foire, on n'est pas au marché forain. Allahu Akbar. Faisons doigt pour nos enfants. Nous savons la situation de nos enfants. Faisons doigt. Situation de nos parents, ils sont malades. Faisons doigt. La situation pour la Oumma de Rasulullah, faisons doigt. Mais on rigole. Et non, Allah nous pardonne. Parfois, Adhan est en train de donner et là on discute. Adhan, mais répondons à l'Adhan. C'est un moyen de quitter ce monde avec iman. Entre Asr et Maghrib, faisons doigt. Le Jum'a. Ne perdons pas de temps, Allahu Akbar. Faisons doigt pour nos parents, papa est encore vivant, maman est encore vivante, mais faisons doigt. Là, on aura tout le temps de discuter ailleurs. Mais dans une masjid, profitons des doigts des anges, profitons des moments précieux. Ce sont des perles. Qu'Allah, ce matin-là, il nous donne. Demande-moi, demande. Quelques minutes, il reste avant Adhan, avant la salah. Bon, on fait doigt, mais là, on rigole, on discute. Allahu Akbar. Allah, ça fait mal, mais on doit prendre ces occasions. Une fois les yeux fermés, ça fait mal pour nous-mêmes. On est en train de causer du temps pour soi-même. Une fois les yeux fermés, je peux faire droit? Non. Donc, inshallah, on essaie, inshallah, de garder cette bonne habitude. On entre dans la masjid, on récolte les doigts des anges. Quelques minutes avant la salat, on fait doa. Voilà. On veut discuter, inshallah, on se retrouve après la salat, on discute dehors. Pas ici. On parle de foot, on parle de politique, on parle de... Allahu Akbar. Les anges s'arrêtent, les anges. Allahu Akbar. Et Jum'a, Durud. Jum'a, c'est le meilleur jour que Eid. On vient de passer Eid, on vient de faire Eid al-Fitr. Le vrai ami. C'est celui qui t'amène vers le paradis. C'est pas qu'il est meilleur que toi. Jamais. Il est pas meilleur que toi. Il est en train de te, c'est ça le vrai ami. Le vrai ami, c'est pas celui qui discute avec nous. Wallah, le vrai ami, Omar radiallahu anhu, il dit, je fais doigt pour cet ami qui m'entraîne et qui me prépare pour le paradis. C'est ça le vrai ami. C'est pas l'ami qui nous dit, on se met en colère. Non. Le vrai ami, c'est celui qui nous dit, mon frère, c'est pas qu'il est meilleur que toi, mais il est responsable aussi lorsqu'il voit quelque chose qui n'est pas bien, ben il le dit gentiment, il le fait comprendre. C'est l'heure de faire droit. Et Jum'a, c'est le jour, le meilleur jour que Eid al-Fitr, on vient de passer Eid al-Fitr, avec tous les cadeaux et tous les friandises et tous les gâteaux à table, etc. Subhanallah, le taux de diabète aussi l'a monté, toute la montée, le ventre a monté, toute la montée. Mais Jum'a, c'est le meilleur jour que Eid al-Fitr. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, meilleur que Eid al-Adha. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, envoyez-moi fréquemment des bénédictions quand Allah, c'est-à-dire durud, quand Allah, ce matin-là, il a désigné un ange près de ma tombe. Lorsqu'une personne envoie une salutation, l'ange dit, Ahmad Saïd, fils de Youssouf, fils d'un, il prend le nom de ton papa. Comment tu fais gagner à tes parents les bénédictions? Donc dans la masjid, au moins, si on veut pas gagner pour nous, on fait gagner à nos parents. Il dit, un tel, fils d'un tel, le nom de ton papa est présenté devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quel honneur! Et ça fait partie de l'obéissance envers les parents et de la bonté envers les parents, même s'ils sont décédés. Allahu Akbar. Allah ce matin-là, il nous donne vraiment la compréhension des choses simples.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui Jum'a, on a le temps de Jum'a, depuis jeudi soir jusqu'à vendredi avant Maghrib. Allahumma salli ala Muhammad, abidika wa nabiyika wa rasulika nabiyya al-ummi. 80 fois, 100 000 de tes péchés sont pardonnés, 24 000 des péchés de tes parents sont pardonnés. Faisons gagner à nos parents. Non. Celui qui lit ce durud, excusez-moi, non, je reprends. Celui qui lit ce durud, Allahumma salli ala Muhammad, abidika wa nabiyika wa rasulika nabiyya al-ummi, 80 fois, le jour de Jum'a, jeudi soir jusqu'à avant Jum'a, 80 fois, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne 80 de ses années. Et le hadith qu'on vient de dire, c'est celui qui, après la salat de Jum'a, il lit 100 fois Subhanallahil Azim wa bihamdihi, là oui, 100 000 de ses péchés sont effacés et 24 000 des péchés de ses parents sont effacés. Facile, facile. Faisons-le pour nos parents, pour papa, maman. Ok, Inch'Allah ta'ala. Donc après Jum'a, Inch'Allah. Ce sont des Allah, après on a une fois les yeux fermés, c'est fini. C'est fini, après c'est terminé. On n'aura plus le temps. Le temps des regrets, non. Ce sera très difficile. Donc ne perdons pas de temps, subhanallah. Et Hazrat Omar radiallahu anhu, regardez, les sahaba radiallahu anhum, ils étaient des investisseurs de l'au-delà. My friend, business, c'est ça le vrai business. Préparer sa demeure, son château dans le paradis. Là où il n'y a pas d'électricité à payer, il n'y a pas d'eau, rien. Tout est gratuit parce que ici, tu auras travaillé. Hazrat Omar radiallahu anhu et tous les compagnons radiallahu anhum, ils ont été formés par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'avoir un esprit d'investisseur. Même chef des croyants, Hazrat Omar radiallahu anhu, c'était son habitude lorsqu'il est devenu Amirul Mu'minin, émir des croyants. Le soir, lorsque tout le monde dort, il y a un silence total. Dans les ténèbres de la nuit, on entend les pas d'un homme qui fait sa ronde. C'est le chef des croyants. C'est pas n'importe qui. C'est le chef des croyants. Et Omar radiallahu anhu, pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut que le... Regardez. C'est pas ce titre, non. C'est-à-dire la responsabilité du titre. Nuance. C'est pas le titre. Parce que si je me focalise uniquement sur le titre, c'est le prestige, c'est la notoriété, c'est l'orgueil, c'est l'ostentation. Mais si je me focalise sur la responsabilité du titre, c'est l'humilité. L'humilité. La conscience. D'un jugement auprès de qui? Pas auprès des gens, auprès d'Allah. Tout est répertorié. Et là, il entend, il voit une tente, et il entend les pleurs. Et il voit un homme qui est assis à l'extérieur de la tente, et dit, et l'homme ne connaît pas que c'est Omar radiallahu anhu. Il voit un individu qui se présente à lui, et Omar radiallahu anhu lui demande, qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Il dit, mon épouse ne va pas tarder à accoucher et il n'y a personne comme femme pour l'aider. Omar radiallahu anhu, sans dire que je suis Omar, il ne dit pas, ô individu, il ne dit pas, qui es-tu, qui je suis, non. Et Omar radiallahu anhu lui dit, je reviens, attends-moi, je reviens, ne bouge pas de là, je reviens. Il va vers son épouse, qui était Umm Kulthum, la fille de Hazrat Ali radiallahu anhu. Je répète. Umm Kulthum, la fille de Hazrat Ali radiallahu anhu. Je répète une dernière fois. Umm Kulthum, la fille de Hazrat Ali radiallahu anhu. On sait pourquoi on l'a répété trois fois. Hazrat Ali radiallahu anhu, une de ses filles était mariée avec Hazrat Omar radiallahu anhu. Il va voir Umm Kulthum radiallahu anhu. Regardez comment on s'entraide. On s'entraide dans le bien. Pas dans le mal, dans le bien. Regardez comment il va présenter la chose à Umm Kulthum à une heure très tardive. Il dit à Umm Kulthum radiallahu anha, Hallaki fi ajrin saqahu Allahu ilayk. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une occasion exceptionnelle, une opportunité pour te récompenser et qui est à portée de ta main. Veux-tu cette occasion? Il dit oui.
Bien sûr. Regardez comment on entraide. Mon épouse, tu as fait la salat de Fajr ce matin. Voilà comment on s'entraide. Pas on s'entraide dans les potins ou bien dans la médisance. On ramène tout ce qui est à l'extérieur à la maison. Non, madame n'a pas besoin de ça. On a la nourriture à la maison, donc on n'a pas besoin de consommer de la chair morte. On est bien d'accord. On n'amène que le bien. Que le bien. On n'amène que le bien. Alors il dit, oui, bien sûr. Une heure tardive, il dit, il y a une femme qui va pas tarder à coucher. Est-ce que tu peux venir? Oui. Elle amène les affaires, etc. Elle amène tout, tout. Et là, l'épouse entre, et Omar réconforte l'homme. Ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Et l'homme ne sait pas que c'est Hazrat Omar, jusqu'à ce que, subhanallah, jusqu'à ce que l'épouse de Omar radiallahu anhu dit, ô émir des croyants, ya amir al-mu'minin, aïe aïe aïe, ya amir al-mu'minin, ô émir des croyants, annonce à ton compagnon la naissance d'un petit garçon. L'homme, Allahu Akbar, l'homme est en pleurs. L'homme ne peut pas retenir ses larmes. Omar, chef des croyants, émir des croyants, il ne peut pas placer un mot. Omar radiallahu anhu, regardez comment il va tourner la situation. Tout de suite, le repas qu'il a préparé, c'est Omar radiallahu anhu qui a préparé le repas. C'est un homme qui a préparé le repas. Il a préparé le repas et il donne à son épouse pour donner et il donne à l'homme. Et l'homme, il dit à l'homme, prends ce repas. Prends-le. Parce que tu as veillé toute la nuit et tu es certainement fatigué. Alors, va. Prends ton repas. L'homme pleure. Il n'arrive pas à contrôler ses larmes. Il dit, Omar radiallahu anhu, personne qui est venu me rendre service. Omar, ce n'est pas n'importe qui. Omar ne l'a jamais dit que c'était lui, Omar. Que c'est moi, Omar, chef, non. Il pose le plat et il commence à manger. Et l'homme ne cesse de remercier Omar radiallahu anhu. Il n'arrive pas à croire que c'est Omar radiallahu anhu qui l'a aidé et qui l'a assisté toute la nuit sans dire que c'est moi Omar, jusqu'à ce que son épouse dit, ya Amir al-Mu'minin, annonce la bonne nouvelle à ton compagnon de la naissance d'un garçon. Regardez. La crainte, l'humilité, la sincérité. Dans les ténèbres de la nuit, personne ne sait que Omar radiallahu anhu a aidé cet homme. Personne ne sait. La crainte d'Allah, la crainte de commettre quelque chose qui ne plaît pas à Allah. C'était ça les compagnons, radiallahu anhu. Toujours dans le bien, toujours s'empresser à commettre le bien, à faire le bien et non pas le mal. Rester loin de tout ce qui amène la colère d'Allah, tout ce qui amène son mécontentement. C'était ça les compagnons, radiallahu anhu. Avoir conscience de la gravité d'un péché, ne pas sous-estimer un péché. Que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien. Donc j'arrête. Omar radiallahu anhu, une fois, regardez l'humilité, la sincérité, et vraiment, la modestie de Hazrat Omar radiallahu anhu. Pour les compagnons radiallahu anhu, ils étaient pour akhira, pour l'au-delà. Parce que je ne vais pas tarder à quitter ce monde. Mes 5 salats avec Jama'at. Mon silence dans la masjid. Mon caractère, mon comportement, mon langage. Rester loin de tous les péchés, en dehors, même si personne ne me voit, mais Allah il me voit. Donc je ne fais rien qui puisse attirer le mécontentement d'Allah. Rien. Parce que je sais que tôt ou tard je dois quitter ce monde. Omar radiallahu anhu, il est avec Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiallahu anhu. Et sur une monture, Omar radiallahu anhu tient la bride du cheval. Et Abu Ubaida radiallahu anhu, il est derrière. Ils arrivent dans un endroit où il y a un petit cours d'eau. Il y a un petit cours d'eau. Omar radiallahu anhu, c'est lui le calife, sans dire à son serviteur, descend et fait traverser le cheval. Non, il descend lui-même, il enlève ses chaussons et il tient la bride. Abu Ubaida radiallahu anhu, il dit, « Anta taf'alu hadha ?» Quoi, c'est toi qui fais ça ? ما يسرني أن أهل البلد أن أهل البلد استشرفوك. Je ne voudrais pas que les habitants de cette contrée te voient dans cet état. Laisse-moi descendre. Toi, tu remontes.
Omar radiallahu anhu dit non. 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 Je ne peux pas faire ceci. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Nous étions les plus bas des peuples. Et Allah nous a élevés par l'islam. Si nous recherchons à nous élever par un autre moyen pour les gens, pour le regard des gens, qu'est-ce qu'on va dire à travers les réseaux sociaux? Faire la publicité de ce que je suis et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne suis rien. Allah subhanahu wa ta'ala nous avilira. Omar radiallahu anhu dit, Allah subhanahu wa ta'ala va nous rabaisser. Si on cherche autre chose en dehors de din, le prestige, la notoriété, on va s'y perdre. On va s'y perdre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui élève. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui rabaisse. Aujourd'hui, lorsqu'on n'a plus ce contact avec Allah et on a oublié l'invisible, et qu'on a oublié que cette verticalité, cette relation entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, et cette relation saine, ben on cherche maintenant la reconnaissance auprès des gens, à travers les réseaux sociaux, à travers ceci, à travers cela. Alors que la discrétion, l'ombre, là où le serviteur, il reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est suffisant, même si on ne le connaît pas, même si les gens ne le connaissent pas, mais sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala est intacte. Allahu Akbar. Il y a un savant qui avait l'habitude de dire, Allahu Akbar, ça fait froid aux dos ce qu'il dit. Il dit, peut-être, vous êtes des savants auprès des gens, mais auprès d'Allah, vous êtes des ignorants. C'est fort ce qu'il dit, Allahu Akbar. Peut-être aux yeux des gens, vous êtes des savants, mais auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous êtes des ignorants. En s'adressant à ses élèves, il le dit. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous permette de comprendre et de remettre les choses à leur place. Et de ne pas oublier que tôt ou tard, on aura des comptes à rendre auprès d'Allah. Tôt ou tard, on doit quitter ce monde. Tôt ou tard, nos actions seront pesées, bonnes ou mauvaises. Et le premier lieu où tout se passera, à savoir quelle est ma destination, c'est au moment de mourir. Lorsque l'ange de la mort viendra, c'est là qu'on va voir. Et on rappelle cette histoire, subhanallah. Notre cher Mon Abdul Hamid Sahab, hafizahullah, lorsqu'il a présenté son professeur, qui était un hafiz, qui a formé tous les grands aujourd'hui de l'Afrique du Sud qui sont devenus des directeurs, etc. Lorsqu'il a amené maintenant son cher, Mon Akhtar, rahimahullah, visiter son professeur, il a dit, voilà le professeur qui a formé autant de personnes, autant de sommités. Alors, Mon Akhtar, rahimahullah, lui dit, subhanallah, mashallah. Alors le professeur, la tête baissée, il réfléchit un instant, et ensuite il lève la tête, il dit gentiment à Mon Akhtar, c'est une fois que j'aurai quitté ce monde, et lorsque je serai posé dans la tombe, je saurai qu'est-ce que je vaux. Je saurai qu'est-ce que je vaux. Je saurai si Allah subhanahu wa ta'ala il m'a accepté ou pas. Je saurai si Allah subhanahu wa ta'ala il est content de moi ou pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Je n'ai aucune garantie, même si les gens me vantent, même si les gens me connaissent. Mais si Allah ne me connaît pas, je ne suis rien. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous donne la compréhension de la profondeur de cette parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre l'urgence d'accomplir les bonnes actions et l'urgence de rester loin de tout ce qui pourrait amener le mécontentement d'Allah. Car tôt ou tard, l'ange de la mort viendra nous rendre visite, certainement, où que l'on soit. فجزاكم الله خيرا سنة جزاء في الدارين